Il y a une mini-map. I've never seen one before. I say dead, but they're not really dead. It's just a dormant state before they turn into real monsters. Or so I've heard. Sometimes it takes years for the transformation to start. So we can just leave them. The enemy? Ok, il est un peu vénère avec son marteau, lui. Ok, par contre, ouais, j'ai pas compris. Ah si, ça. Fragment de déchéance. Ça doit être les items pour gagner de la monnaie, on va dire. Utiliser l'amélioration de la génération. Donc ça, c'est pour se soigner. Concentrer 10 corps, régénération. Merde, pardon. Pour l'instant, ça va, j'ai pas besoin de me soigner. RB maintenant. RB, c'est ça. Ah oui, c'est pour courir en fait, tout simplement. Là, il y a un coffre. Merde. Is there something good in there? Oh, une hache. Oh, bah voilà, là, j'ai une belle arme. Là. Chaque pièce d'équipement possède des statistiques requises et un poids. Dépasser votre limite de poids restreint la capacité de basculer entre l'arme principale et secondaire. Oui, ok. Ok, mon arme secondaire est un peu vénère. Sure, I can wait. Mobilité rapide, mobilité normale. Ok. Ouais, et là, le... Non, mais... J'utilise un heal. Con. Ouais, ça, c'est le gros marteau que j'ai. Alors, on va garder l'âge pour l'instant. Je sais pas, là, il y a un ennemi. Bam. Récupérez des nuées. Vous perdez toutes les nuées en votre possession quand vous mourrez. Yes. There's a lot of boxes. You think they're all empty? Ah. Oula. Super con là. Concentrer 10 corps, ok. Par contre, bah, de l'autre côté, il y avait des trucs. Potentiellement. C'est bon, il a tué son ennemi. Parfait. Fer de la reine. Qu'est-ce que c'est? Fer de la reine. Inventaire. Demande d'échéance. Faire de la reine. Ah, c'est un minerai pour l'équipement. C'est vrai que j'ai pas utilisé mon icor. Je pourrais l'utiliser pour. Ah, ça flotte. Ouais, faut pas tomber. État de concentration. Remplissez votre jauge de concentration en subissant ou en esquivant des attaques pour restaurer votre endurance et entrer en état de concentration. Cela réduit vos chances de vaciller, augmente vos chances de faire vaciller l'ennemi. Ok, faire une projection. Ouais, bah pour l'instant, on va se calmer. Là, je me suis buff. Ah, bien joué, bien joué, bien joué. C'est cool. Par contre, notre pote, il a pris un petit dégât. Une baïonnette, mais... J'ai eu peur qu'il y ait quelqu'un qui arrivait par derrière. Baïonnette, c'est pour les mages, ça, du coup. Ah non, c'est à l'intérieur.
That wasn't very convincing, was it? These masks are the old type. Hard to breathe in them. How are you doing? Ah, attends. Girl, she's your friend, right? Un truc à ramasser. Ah, des nouilles. Someone needs and go back for her quick. Parfait. Oula. Parfait. Whoa, something's above us. Oula. Ah, s'il faut faire attention au plafond aussi. You have to use whatever you can to survive. Un tonique. Oh, c'est quoi ça? Cartographie. Si vous purifiez le miasme présent dans une zone lors de votre lors de vos explorations, cette dernière sera ajoutée à votre carte. Pour purifier le miasme, activez une pousse. Purifiez une pousse corrompue ou éliminez le déchu de la corruption. Je te purifie. Et donc là, on a la map visible. Mais c'est faux, parce que genre là, par exemple, c'est pas apparent sur la map. On m'a menti. Ah, je peux descendre et tout. Ah, mais il y a une pousse, en fait. Non ? Ok. Limier bleu. Alors, ça... Effet des voiles de sang. La puissance des dons et des absorptions varie selon le voile de sang que vous équipez. Les voiles de sang affectent également les statistiques et le taux d'absorption. Par exemple, utiliser cri embrasé avec un voile de sang augmentant l'efficacité des dons de ténèbres décuplera la puissance. Okay. J'ouvre la porte parce que ça fait un raccourci avec le début. Comme ça, je peux bien évidemment me heal et surtout heal mon pote. Et peut-être même level up. Ouais. Bah c'est niveau 2. Voilà. Peut-être même acquérir un truc. J'avais pas assez de nuée. Ah oui, c'est en bas là. 560. Là pour l'instant j'ai ça. Augmente les PV maxima. Ah, okay. Donc là réduit l'endurance et dresse une barrière temporaire. Ok. Donc là, augmenter les PV max. Donc je fais ça. Ah ouais, oui, les PV sont bien augmentés. Le problème, c'est qu'ils sont pas heal pour autant. Donc j'ai juste l'air con. Merde. Ah, non, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Chercher comment on faisait pour bardiche de déchu. Une bardiche de déchu, c'est quoi? Tu lances? Bah c'est moins bien en tout cas. Mais ouais, je regardais comment on faisait pour absorber le sang, licor. Oh, didn't they pass us earlier? Are you okay? Did you get hurt? Il a bam un coup. Ah, le masque est... That could have gone better. I'll catch up with you in a bit. Ah, oh, ça sera notre premier boss. Don't worry about me. I'll be all right. Go on. 100% c'est le premier boss. Il va se transformer. You just focus on finding some blood beads, all right? That girl is waiting for you. En fait, finalement, là, le miasme, c'est le Covid. Lumière chimique. Et là, du coup, c'est je suis livré à moi-même. LT. LT, c'est ça. Non. IT. Ouais, c'est ça. Bon.
que c'était comme Dark Souls. Les ennemis un peu lents, on pouvait facilement les esquiver, mais non. Oh! Dans le cul! La défoncer. Donc là, je peux utiliser un heal. Génial. Je peux rejoindre là, mais le problème. Il y avait un autre endroit là, à droite. Un tonique. Ouais, je... Ah. Ah merde. Ok. Oh. Bonjour. Merde. Il s'éloigne trop aussi quand je donne un coup. Ah, ça descend. Ah, ça a l'air de continuer. Ah, ça, ça doit être le méchant. Alors que là-bas, il y a l'air d'y avoir juste un mec avec du loot. Oh. Je savais, je m'en doutais. Aïe. Ok. Je m'en doutais, j'avais commencé à regarder. J'ai vu qu'il y avait rien là et en fait c'était après. Un tonifiant. Qu'est-ce que ça fait? Sûrement que ça tonifie. Ah et là ça rejoint du coup l'autre côté où j'étais. Ah, je vérifie hein, parce que les ennemis qui se lèvent derrière moi, j'aime pas trop ça. Oh, là il y a un truc. Ah non, du coup, ok. Du coup, l'autre chemin il doit mener là. Ouais. Ça fait plusieurs attaques. Attaque chargée. Donc là, il y a le truc au bord. Les limites d'inventaire étaient dépassées. Bah non. Les objets en surplus ont été mis à la réserve. Ah bah non. Attendez, moi je veux pas. Ouais, je peux mettre les trucs. Arme de G, lumière brille, blablabla. Serveur de repère. Ça, ça fait de la nuée. En multijoueur, mais du coup, je m'en bats les couilles. Ça va revenir à dernière pousse. Ça va disperser votre corps. Régénérateur, médicament créé grâce aux recherches, aide le corps à se régénérer. Ça va être sympa, ça. Voilà. Un petit heal. Oh putain. Allez, triple kill. Tu. Ah! J'avais plus d'endurance pour l'achever. Bah, heureusement que j'avance doucement, hein, parce que putain. À chaque fois, je me ferai avoir par ces trucs-là. Bah ouais, bah on a cassé les trucs en même temps. Du coup, si j'avance doucement, est-ce que je peux ne pas me faire repérer et lui faire un finish move dans le dos? Il y en a un autre à côté aussi. Pas vraiment. Ah, j'ai voulu esquiver, j'ai pas réussi. Thank you.
Multiplicateur de régène. Fragment de machin. Voilà, est-ce que je peux faire une attaque? Oui. Voilà, parfait ça. Ok, ça se passe plutôt bien. Ah, lui il me fait peur quand même. Je me heal. Je me buff. Je regarde dans l'air. Je ne vois pas de slime. Toi t'es mort. Et bah ça c'est un... C'est un point de sauvegarde ça. Fagnon local. Et des trucs, je sais pas à quoi ça sert. Glaive de déchu. Limier bleu. Ah, c'est vrai que j'ai pas changé ma tenue. Fagnon local. Objet dont la valeur fluctue selon la personne qui le porte. Nouille. D'accord. Du coup, ouais. Là, je peux changer. Il y a trop de stats, je comprends rien. Résistant aux altérations d'état. Renforce tous les types de dons. Bah, c'est mieux, du coup. En arme alternative. Physique. Poids. Plus léger. Zone à proximité cartographiée. Ok. Donc là, si je me repose, je suis full life. Et les ennemis respawn en théorie. Et je level up. Et d'ailleurs, du coup, là, en théorie, je peux utiliser les fragments. C'est exactement la même animation que sur Dark Souls par contre, faudra faire attention au bout d'un moment. Acquérir des dons. Combattant. Je veux apprendre. Je veux une barrière. Voilà. J'ai découvert un potentiel caché. C'est génial. Et là il faut vaincre un ennemi pour maximiser. Bah je veux aussi apprendre le dernier. Hein. Même si je vais pas l'utiliser parce que le truc concentration, je sais pas le faire. Mais le cœur y est. Et du coup, là, je peux très bien dire... Je mets la barrière. Voilà. Alors là, je dis... Je me buff. Et je vais voir le méchant là-bas. Du village. En plus il restait qu'un ou deux coups mais bon dommage. Épine régicide, donc là c'est une tenue. L'épine régicide est moins bien en termes de physique. Plus de défense sur les écrasements, la glace, la foudre, plus de résistance sur l'inhibition, le ralentissement et blablabla et blablabla. Ouais, je sais pas ce que ça vaut. Moi ce que je vois c'est que ça absorbe moins les dégâts de taillade. Après pour les résistances en bas à droite c'est quand même pas mal. Allez on va faire ça. Ça va te changer de tenue aussi. Toujours sympa de changer de tenue. Du coup je peux me heal. Donc j'ai tué le gros. Le jeu il est sympathique pour l'instant. Regarde dans l'air, c'est bon. Mais lui, c'est clairement un... Ah non. Bon, lui, par contre... Putain, mais par contre... En fait, vous voyez, quand ça fait ça, c'est juste que j'essaye de cibler un ennemi, mais en fait, faut s'approcher un peu plus. J'arrive pas à la voir. Ah, mais c'est un pote. Ah oui, sur la carte, c'est un pote.
Bonjour. Are you a fellow explorer? It appears you're alone. I'm on my own at the moment too, but I was hoping for a partner for the path ahead. What do you say? Would you mind working together? At least until we're through here? What? Don't worry, I'm not gonna stab you in the back. The miasma and the lost here are enough trouble as it is. Ah bien, bah allons-y ensemble. Thanks a lot. I'm glad to work with you. T'es fait un copain? Tiens, étranger. Let's keep our eyes open, all right? Ok, bon là ça me descend. En vrai, j'ai un peu perdu de vie là, à utiliser le pouvoir. En fait, j'ai l'impression que... Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est pas du tout un truc qui augmente ma vie max, en fait. Un truc qui consomme des PV pour soigner l'autre. Il y avait absolument pas besoin de soins, en plus. Ah, mais du coup... J'ai pas par où aller, moi. Il y a deux chemins possibles. Oula, il y a une grosse arme qui dépasse, là. Ouais. Oh, il a une bite sur le nez, lui. Non, ça marche pas. Ok, il y a des trucs là. Mais non, mais je saute dessus. Parce qu'il y a des gens en haut. En hauteur. Ah non, ils sont descendus, c'est bon. Ah non, pas tous. Ah, loupé. C'est good. Vous maîtrisez le don garde de sang. Ok. Bon là pour le coup j'aurais mieux fait du coup de descendre à l'échelle. J'aurais arrivé par là. J'aurais pu buter le mec. Le mec qui était dans les airs. Enfin, dans les airs. En hauteur. Attendez, là, il y a un petit loot qui traîne d'après la map. En haut? En haut, il y a un truc qui traîne. Je pense que c'est en haut. Je sais pas, il y a une croix qui brille. Et normalement, ça, c'est les loots. Y'a rien au plafond, c'est bon. Ah voilà. Alors je peux continuer par là ou passer à l'échelle. Bon, rien dans les airs. Ah et là j'aurais pu passer ici aussi pour tuer le deuxième mec en hauteur. En fait, ouais, en gros j'aurais pu faire en sorte que ça se passe mieux. Non, sans blague, on peut monter. Tu crois? Ouais, ok. I won't take long. T'as des movesets différents, les épées? Je sais pas. Ah bah ça, c'est bien, ça. Et la source de sang. Il sort d'où son sang? Là, je pensais qu'il allait me trahir l'autre. Mais non. That really be? Activer la pousse.
Se reposer à la pousse. Est-ce que oui? Hop, level up. Hey, you, that's... forget it. We'll talk later. Ça pas coté en plus. Strange to see a cave connected to a building. Ouais, c'est un peu banal, ouais. What do we have here? Une lame régicide. C'est nul. Nul à chier. J'espère qu'on pourra vendre les items nuls. Getting attacked here would be seriously bad. Bon, si on peut lui marcher dessus, c'est que c'est pas un... Ah, lui, il a pris cher. Oh. Putain, l'autre, il est chaud. Hein. Oh, il était bouillant. Il savait ce qui allait se passer. MDR. Il est trop fort, mon pote. Je regarde toujours en l'air maintenant. Concentré décor. Pas de porte là. Ah non. Il y a rien au plafond. Et une porte. Tonique. Tonique pour l'instant. Jamais utilisé. Oh, je l'ai fait tomber. Oh, l'épée, j'aime bien, ça tape vite. Donc là, on peut descendre. Ah, peut-être pas maintenant, en fait. Non, je pense qu'il faut faire le tour. Ah. Eh. Je les ai vus là. Attends. Oh oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fait ça? Ok, j'ai fait une attaque dans le dos avec l'épée et ça a sorti deux gueules de chien qui ont buté. Très bien. Moi ça me va, hein. Moi tant que ça fait mal, hein. La méthode ne m'intéresse que très peu. Maintenant, je me fais plus avoir. Hein. Zoom. Bien. Je renvoie la carte. Ah, mais non. Attends. Eh oh. Il y avait tout un truc là. Et tout un truc en souterrain là. J'ai envie d'aller moi. On va passer par là mais. Don't lose your footing. Là y'a moyen. Ça se tente non? Ah mais attendez, il y a un coffre ouvert, ça veut dire que je suis déjà passé par ici en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Une buff. Gentil. Non, ça veut dire que je suis déjà passé par là. Bon bah du coup j'ai failli sauter pour rien. À part perdre du temps. On a mission réussie. Mais il y aura très certainement un boss. Ah bah c'est notre copain ça non? Qui est devenu fou.
Oh, il y a la copine. Once someone is lost, they can never come back. Cast aside your doubt. Il est stylé, lui, hein. Par contre, faut avouer que son gros marteau, il fait peur. Le temps de faire l'esquive. Oh, oh, oh. C'est ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Ça marche pas, ça fait rien, ça. C'est de la bite en bois. Oh, ça fait pas un truc dans le dos. C'est vénère. Attention. Ouais. Oh, il est devenu gros. C'est, on dirait Smoog maintenant. C'est good. Oh. Et mourir. Soigne. Par contre, ça m'énerve. J'ai envie de faire une de mes compétences, mais je peux pas. Et du coup, ça fait quoi si je fais ça? Oui, ça compte. Ok, nice esquive. Ok, ça marche très bien le contre. Ah non, non, c'est le gris qui m'attaquait. Fini. Par contre, impossible de lancer mon attaque qui... Ah, parce que c'était peut-être pas avec les épées. Ça marche peut-être pas avec les épées, c'est ça. Très cool le combat de boss. Très cool. Heureusement qu'il y avait le copain, mais c'est pour le tuto donc. She's all right. By the way, both of you. All revenants must pay a levy. There are no exceptions. A vestige. Best to stay away from those stones. Anyone who touches them is defiled, transformed into the lost. Don't listen to their whispers. Someone has to be sacrificed. Without blood beads, we won't make it. Once she's settled down, let's get out of here. Qu'est-ce qui se passe? Mon personnage avait les yeux rouges. I hear a voice. Ah, moi aussi. Ramasser. I'll keep watch. Go and see if she's all right. I hear a voice. Ah, moi aussi. Ramasse, allez. On Wait, fait le con. What are you? Let go. It'll swallow you up. It's all right. You can do it. Il va absorber le pouvoir. Et là, il a ressuscité Olivier Collins, Oliver Collins. Avec cette queue sur le bras, putain. Let us keep them just this once. We won't make it if you take them. All revenants must pay a levy of blood beads. There are no exceptions. Non, on revoit le sa vie. Sorry. Daddy,
Someone has to be sacrificed. Without blood beads, we won't make it. D'accord. The few humans that remain are under Silva's control. Wandering revenants like us are forced to hunt for blood beads or face death. Even if some revenants must be sacrificed for our survival. Well, I guess you reap what you sow, right? Well, that's all right. What's important is that at least one of us makes it. This is a memory echo. It's a place where lost recollections still wander. Come, let's move on. Is this the past of one of the lost? No, there's no way. Okay. Ouais, donc a priori, de ce que j'ai compris, c'est que il y avait des gosses qui. Enfin, il a gardé un des trucs de sang là. Alors qu'il aurait pu sauver des gosses ou un truc dans le genre. Il a dit. Il a besoin d'avoir des sacrifices et après, ben. C'est un peu. Le karma s'est un peu retourné contre lui. Finalement. Défense d'armes. La défense d'armes ne s'applique que lorsque vous effectuez une garde. Réduction d'endurance réduit la quantité d'endurance perdue en contrant une attaque. Plus votre taux d'absorption est élevé, plus vous obtenez 10 corps en réalisant une garde. Donc là, la garde, c'est ce que je faisais tout à l'heure. What the hell was that? It was a memory, carved into that vestige, by the one who left it behind. I didn't expect that I'd get dragged into it too. We both melted into you. I can't believe this. What a power. Come with me. I know a spot where we can rest. I'm Louis. I'm researching blood beads. Nice to meet you. Moi, c'est Maurice. Ok. Très sympa le jeu pour l'instant. Enragé. Axé sur la force et l'endurance, compense son faible stock d'icor par une armure lourde. Mouais. M'intéresse pas. Parasite ORB, abréviation d'organisme régénératif biologique. Il se fixe sur le cœur d'un être dont les fonctions vitales ont cessé et transmet son propre sang à l'hôte. Cette symbiose lui permet de réguler et de contrôler tous les organes, y compris le cerveau. Ah, ok. En fait, c'était... tout le monde a chopé ce parasite pour vivre plus longtemps, mais du coup, ben, ils ont besoin de perles de sang pour pas dégénérer, aucun genre. The red mist showed up a short time after the queen was defeated, and when it did. It trapped everyone and everything inside, giving birth to the Society of Revenants ruled by Silva. The Jail of the Mists. As time passed, that was the name people gave to the world inside. The creatures trapped inside the miasma wander in a never-ending cycle of death and rebirth, always searching for blood beads to sustain them. Problème sur les chargements de 3D. Without it, they turn into those creatures we call the lost. The revenants who captured you were desperately searching for blood, terrified of losing themselves. It's a common fate these days. But ripples are beginning to form. You cleared the miasma and revitalized the blood spring. Mmh.
Where did you learn to do that? You've forgotten? Anything you do remember? Ça raconte choisir une voix à notre perso s'il parle pas. It's unusual. Losing so much of your memory. I suppose it was the same for her. For now, just take it easy. Make yourself at home. Donc là, c'est le hub, hein, je suppose. Là, c'est joli, hein, quand même. Je trouve ça vraiment sympathique. You're looking a bit tired. We can talk again later. Ok. Magazine captivant. Bien. It's warm here, isn't it? Il fait chaud. Oui. Ah, on peut mettre... Oh, God Eater. C'est par les mêmes qui ont fait God Eater? Un message décrit au bord de la carte. Parlez à Louis pour obtenir plus d'informations. Objectif d'exploration, rien. J'entends plus ici. Bonjour. Ah, attends. Régler l'apparence. Ah mais non, 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 non. L'apparence était très bien. C'est ok. Fin. Très bien. Le personnage va très, 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 très bien. You're an unfamiliar face. Coucou. Has Louis stuck his head into another pot of trouble? Well, it's none of my business, really. Anyway, I'm Coco, a merchant by trade. Stop by if you need anything. Sorry, but I'm in the middle of taking inventory. Try me again later if you still need something. Bah super. Tu me vois, mais pas maintenant. All revenants carry some secret with them. Don't do anything funny. I'll be keeping an eye on you until this talk with Louis settles down. Nice to meet you. If Louis brought you here, there must be some reason, right? I'm Rin Murasame. I provide the back home support for all the explorers here. It's a pleasure. I've got my own reasons for why I can't go into combat with you, but I'll provide your weaponry and maintain it for you. Anyway, relax and make yourself at home. Bien, et je suppose que je peux pas tout de really suite. Sorry. Nique ta mère. Écoutez de la musique, non, ça ira. Ils aiment beaucoup la musique hein, ici. There you are, the revenant that Louis sees so much potential in. I'm Davis. I go around for the provisional government as part of the investigation into the depths. Il bouge pas la bouche. Just as a warning, try not to stir up any trouble. If you do, I won't be able to do my job and, well, you get it, right? You get it, right? Eh là c'est quoi? Commencer l'entraînement, non c'est rien. Se reposer à la pousse, oui. Je peux peut-être. Donc là au niveau des pouvoirs, tout est ok. À part ça où il faut l'améliorer, mais on verra ça plus tard. Veilleur. Excelle dans les dons de soutien, il fait quoi lui? Augmente l'endurance, canalise de liquor pour tirer un projectile. Jetez-vous vers l'avant sous forme de brume. Découvrez s'il reste des objets à proximité, à obtenir à proximité. Ben, il y a la map pour ça. Ajoute temporairement un effet d'empoisonnement à votre arme. Réduit l'endurance consommée par la garde en état de concentration. Ok. Donc mage, là c'est plus tirer des projectiles ou des trucs du genre. J'aime un peu moins. Enragé. Enragé, j'aime pas trop, mais enfin, l'idée de ce qu'ils avaient décrit. Augmente la puissance de la prochaine attaque, sauter vers l'avant et porter un coup puissant. Augmente la stabilité. Réduit temporairement les dégâts subis en érigeant une barrière de... Ouais. Augmente temporairement la résistance aux effets de vacillement. Augmente temporairement votre capacité à faire vaciller l'ennemi avec votre arme. Ouais. Pour l'instant, pas ouf. Mais là, par exemple, on voit que ça marche avec les épées et avec les marteaux. Et donc moi, ma compétence... ici, c'est avec les genres de hachoirs, là, les grandes épées et puis les marteaux. Ok.